Bonjour à tous et à tous, c'est Fabien, j'espère que vous tous bien, et aujourd'hui on se retrouve pour la 8ème partie de la carrière de AJ Styles. Rivalité avec Christopher Daniels et Kazarian, 2011-2012, en tant que Pack Wrestling et Huntsville Alabama, du 1er septembre 2011. Il perd à Christopher Daniels en ratant une prise à 30 sur 30. Puis dès que le compte a été fait, Daniels a refusé de sourire la main à AJ qui lui avait supplié AJ pour un dernier match. On a lors des Impact Wrestling du 15-22, AJ subit des moqueries de la part de Daniels et commence à l'énerver le 29 et commente Daniels Piper plus tard dans la soirée face à Bobby Roode lors de Bone for Glory. Il bat Christopher Daniels dans un quick match lors de Turning Point. Il perd contre Bobby Roode et remporte le titre des Wayward Championship. Il va de nouveau affronter Bobby Roode pour le titre World Heavyweight Championship dans un Iron Man. Iron Man match. TNA Final Resolution. Final Resolution 2011 ne remporte pas TNA Wayward Championship de Bobby Roode à cause d'une égalité 3 partout lors de l'impact du 15 décembre contre Bobby Roode dans un Sunday Date match. Il ne remporte pas TNA World Heavyweight Championship avec AJ Styles et Kazarian perdre contre Samoa Joe et Manu suit la trahison de Kazarian qui effectue alors un turn. Il perd face à Kazarian un guest all holds. Lors de l'impact du 8 mars 2012, il remporte Frankie Kazarian et Daniels avec l'aide de Miss Anderson qui fait son retour à Victory Road et affrontera donc Frankie Kazarian et Daniels. Avec Miss Anderson en tacky match. A Victory Road 2012, il gagne le tacky match avec Miss Anderson face à Frankie Kazarian et Daniels. Lors de Lockdown 2012, au service de Kate Bischoff, Miss Anderson, Bob Ravendem et lui battent Bray Wyatt, Christopher Daniels et Bischoff, Gunner et Kazarian dans le Lockdown match. En impact du 10 février, il perd contre Kurt Angle. À la suite de l'intervention de Christopher Daniels, le sacrifice, il perd contre Kurt Angle. Lors de l'impact du suivant sacrifice, il gagne Battle Royale pour terminer 4 prétendants au titre poids lourd de l'Open Fight Night. Lors de l'impact du 24 mai, il perd contre Bobby Roode en porte pas TNA World Heavyweight Championship. Lors de Semiversary 10, lui et Kurt Angle battent Christopher Daniels et Kazarian et remporte le TNA World Tag Team Championship. Et voilà, c'était la 8ème partie la 8ème partie de la carrière de AJ Styles. Si vous avez besoin de mettre un max de j'aime, un commentaire, commenter aussi, vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bonne à tous.